Bonjour à tous, j'espère que vous êtes encore en forme cette fin d'après-midi. Et donc je vais vous parler de statut, de TJM et de client pour vous donner un peu les bases pour vous lancer en freelance. Alors je vais me présenter brièvement, moi je suis Raphaël Yarassari, je suis UX designer donc en freelance et depuis le dernier millénaire. Voilà. Alors, je vais poser une petite question déjà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà en freelance? Et d'accord. Et qui c'est qui pense, réfléchit sérieusement à se mettre en freelance? Ok. Il y en a qui ont déjà été en freelance et qui sont salariés? Enfin, qui ont quitté. D'accord. Quelque chose. Ok. Moi, pour vous dire un peu les choses, quand j'ai fait ma dernière année d'études, il y a les profs au début de l'année qui m'ont demandé « qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» Et j'ai été le seul à répondre « bah, je veux travailler en freelance. Okay. » Et donc là, les profs ils se sont dépêchés de me dire « oh, mais attendez, pour se mettre en freelance, il faut avoir travaillé avant, machin, vous pouvez pas faire comme ça, truc bidule, machin. Voilà. » J'ai fait, à la suite de ma dernière année de formation, j'ai bossé 6 mois à mi-temps en CDD. Et après, je me suis mis en freelance. Et depuis, je suis en freelance. Donc déjà, n'écoutez pas les profs et n'attendez pas la permission de vous mettre en freelance. Voilà. Bon, je dis n'écoutez pas les profs, mais de temps en temps, si c'est moi qui parle, vous pouvez écouter. Toujours est-il, voilà, n'attendez pas la permission pour vous mettre en freelance. Et donc, il y a une première question qu'il faut vous poser quand vous voulez vous mettre en freelance, c'est quelles sont vos motivations? Alors, j'ai fait un petit sondage sur LinkedIn et sur Mastodon pour savoir quelles étaient un peu les motivations des freelances. Et je vous ai mis un peu les réponses. Ce qui apparaît dans les motivations, dans les raisons, déjà, en fait, toutes les raisons sont bonnes. Mais ce qui apparaît souvent, déjà, il y a gagner plus et gérer mon planning comme je veux. Ça, c'est vraiment des choses qui reviennent régulièrement. L'idée de pouvoir gérer son planning, gérer son emploi du temps, c'est globalement une des choses qui apparaît souvent. Avec derrière, l'idée d'avoir la liberté de s'organiser, la liberté de choisir ses projets, la liberté un peu de faire ce qu'on veut et de sortir de la relation hiérarchique. Parfois toxiques qu'on peut avoir dans des entreprises. Il y a aussi le club du burn-out. Voilà, je vous souhaite pas de passer par là. Mais il y a un certain nombre de personnes qui m'ont répondu, bah voilà, suite à mon burn-out, il a fallu que je trouve d'autres solutions pour continuer à travailler. Une des solutions, c'était d'être en freelance. Voilà. Donc c'est un point qui peut être intéressant aussi, sachant qu'en freelance, ça ne vous évite pas de faire des burn-out. Mais c'est peut-être plus facile à gérer, notamment votre charge de travail, mieux vous adapter, mieux vous écouter surtout, sans avoir les aspects contraignants d'un poste où vous devez subir une hiérarchie. Je vais mettre un petit bémol sur le gagner plus. Le gagner plus, il peut être vrai si vous êtes en début de carrière, vous allez pouvoir effectivement gagner plus que si vous êtes salarié. Si vous avez déjà pas mal d'expérience ou si vous avez des postes à responsabilité en management comme ça, en vous mettant en freelance, vous allez sans doute pas gagner plus. Vous allez sans doute mieux travailler, travailler moins, ou peut-être travailler moins et gagner autant, mais il est probable que vous allez pas gagner plus qu'en tant que salarié. Voilà. Je vais avancer un peu rapidement parce que sinon, en fait, j'ai plein de trucs à vous raconter et je pourrais faire 3 heures de conférence. Mais on va faire un petit lexique pour bien commencer. Je vais vous parler de chiffre d'affaires, donc ça, c'est l'argent que vous recevez de vos clients. Je vais parler de cotisations sociales. Donc derrière les cotisations sociales, il y a la santé, la retraite, les allocations familiales, l'invalidité, le décès et le chômage dans certains cas. Les charges, c'est tout ce que vous dépensez pour réaliser votre activité. Les bénéfices,
donc c'est le chiffre d'affaires moins les cotisations sociales moins les charges. Le revenu, c'est de l'argent dont vous disposez à titre personnel. Voilà. Et vous pouvez avoir des impôts sur les entreprises dans certains cas. Et de toute manière, vous allez payer des impôts sur le revenu comme tout le monde. Ok ? Alors, la première question qu'il faut se poser quand vous allez vous mettre en freelance, c'est choisir votre statut. Encore une fois, là, ça va être fonction de vos besoins et de ce que vous avez envie de faire ou de pas faire. Donc, est-ce que vous voulez tout gérer vous-même ? Est-ce que vous voulez faire votre comptabilité, votre informatique, votre commercial, tout vous-même ou pas ? Ou est-ce que vous voulez déléguer des choses ? Est-ce que vous avez besoin d'une certaine stabilité financière ? Par exemple, si vous voulez faire un emprunt, acheter un logement, des choses comme ça, vous pouvez avoir besoin d'un certain statut. Typiquement un CDI, des choses comme ça, ça va rassurer votre banque. C'est plus facile pour avoir des prêts, pour acheter une maison. Faut savoir que si vous êtes en freelance, même depuis longtemps, et que vous voulez chercher un logement, il y a certaines assurances logement. Donc il y a certaines assurances logement. C'est bizarre, il ne fait pas le même bruit. Il y a certaines assurances qui sont frileuses par rapport aux freelance. Quel niveau de protection sociale vous souhaitez avoir aussi ? Par exemple, est-ce que vous projetez de faire des enfants ou comme ça ? Vous n'allez pas avoir les mêmes conditions pour le congé maternité. Pareil, si vous avez une maladie chronique ou voilà, des problèmes de santé, il y a des statuts qui sont plus protecteurs et d'autres qui sont moins protecteurs. Et puis, il y a toujours la question aussi de est-ce que vous voulez être vraiment seul à bord ou est-ce que vous voulez quand même la jouer en équipe ? Donc, il y a des statuts qui permettent de la jouer en équipe. Je vais passer rapidement en revue les différents statuts qui sont régulièrement utilisés en freelance et je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà, c'est mon avis, hein. Je le partage avec vous, mais c'est mon avis à moi. Voilà. Alors, le premier, c'est auto-entrepreneur. C'est un statut qui est très bien pour commencer votre activité en freelance. C'est assez léger, c'est facile à créer, facile à gérer. Il y a deux choses qu'il faut retenir vis-à-vis de ce statut, c'est que vous avez un plafond maximum de ce que vous pouvez gagner. Donc en ce moment, c'est 77 700 €. Donc ça peut paraître beaucoup quand je vous le dis comme ça, mais vous allez voir après, on les atteint relativement facilement. Et le deuxième point qu'il faut savoir dans le statut auto-entrepreneur, c'est que vous payez des cotisations sociales sur votre chiffre d'affaires et non sur votre bénéfice. Donc, si vous avez beaucoup de charges, si vous dépensez beaucoup d'argent pour faire votre activité, en fait, vous allez payer des cotisations sociales sur de l'argent qui part pour les charges. Voilà. Voilà. C'est très bien pour commencer. Deuxième statut, c'est le mien, c'est l'entreprise individuelle. Tout simplement, ce qu'il faut savoir, dans une entreprise individuelle, vous agissez en votre nom, vous agissez en personne. Ça ne crée pas une personne morale à côté, comme ça le fait pour quand vous créez une entreprise. D'accord ? Donc, vous êtes responsable de ce que vous faites et il faut prendre quelques assurances vis-à-vis de ça. En entreprise individuelle, la comptabilité reste relativement simple. Vous pouvez la faire vous-même en étant un peu formé ou en utilisant un logiciel. C'est pas très compliqué, c'est un peu technique, mais il y a des choses à apprendre. Mais ça se fait tout seul. Ce qu'il faut savoir, c'est que au début, moi, quand j'ai commencé en entreprise individuelle, mon patrimoine personnel, mon patrimoine professionnel étaient confondus. Il y a quelques années, il y a le statut de EIRL, donc entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui a été créé. Et maintenant, EI et EIRL ont été confondus. Donc, si vous créez une entreprise individuelle aujourd'hui, par défaut, votre patrimoine personnel est protégé de votre activité et enfin est différencié de votre patrimoine professionnel. Voilà. Donc c'est plus protecteur aujourd'hui que ça ne l'a été par le passé. Ce qu'il faut savoir, quand vous êtes en entreprise individuelle, hein, pas de boulot, pas de rémunération, pas de bras, pas de chocolat. Voilà. Et si vous avez l'intention de faire des enfants, il faut savoir que le congé maternité, vous allez recevoir 3 666 € actuellement en deux versements pour l'ensemble de votre congé maternité.
point barre. Voilà, rien d'autre. Troisième, la SASU. Ça, c'est le statut préféré des comptables. Tout simplement parce que ça demande de passer par eux pour faire votre comptabilité. Donc déjà, ça vous coûte 1500, 1800 balles, suivant le comptable. Ce qui est intéressant sur la SASU, c'est que vous pouvez vous rémunérer soit sur les bénéfices de l'entreprise, soit en vous versant un salaire. Donc voilà, il y a un petit mix qui peut être fait. Si vous voulez vous verser des dividendes, bah, vous allez payer de l'impôt sur le revenu des sociétés, enfin des impôts sur les sociétés, voilà. Et si vous versez un salaire, bah, vous allez bien sûr payer des cotisations sociales sur ce salaire. Donc c'est pas la même chose. Voilà, cotisations sociales, c'est du salaire différé. Hein. Donc ça vous revient un moment sous une forme ou une autre, ou ça revient à vos enfants qui bénéficient de services de santé, par exemple. Et donc c'est plus protecteur qu'une entreprise individuelle. Voilà, c'est aussi très bien adapté si vous voulez, par exemple, embaucher des gens. Ça marche, voilà, c'est bon statut si vous voulez vous servir de cette entreprise pour peut-être créer une agence ou créer une entreprise plus grosse par la suite. Il y a aussi un statut qui se développe depuis, je dirais, 4-5 ans. C'est les coopératives d'activité et d'emploi. Donc, en fait, vous allez être salarié de cette coopérative d'activité et d'emploi et vous êtes salarié en CDI. Il y a différents types de CAE. Il y en a des très grosses avec des milliers d'adhérents. Il y en a des plus petites. Voilà. Donc, il faut trouver la CAE qui vous convient. Il y a des modes de fonctionnement très diversifiés suivant les CAE. Il y en a qui vont vous aider beaucoup, il y en a qui se contentent de gérer l'administratif, il y en a qui vont vraiment créer du réseau, il y en a qui sont implantés sur certaines régions, il y en a qui sont implantés sur certains secteurs de métiers, ainsi de suite. Donc il faut trouver la CAE qui vous convient en termes de valeur et pouvoir rentrer dans cette CAE. L'avantage de la CAE, c'est que vous n'êtes pas tout seul et vous la jouez en équipe. Voilà. Il y a des gens qui vont vous aider, il y a des gens qui vont faire l'administratif. Et généralement, il y a de l'entraide possible entre les adhérents de la coopérative. Bien sûr, tout ça, ça a un coût. La gestion de l'administrative, ça va vous prendre une petite part de votre chiffre d'affaires. Dernier statut dont je vais vous parler, c'est celui d'artiste-auteur. Donc, c'est réservé à une certaine liste d'activités. Notamment, c'est globalement si vous produisez des œuvres de l'esprit. Voilà, que ce soit du dessin, du texte, des storyboards, des scénarios, des choses comme ça. Vous pouvez adhérer à ce statut d'artiste-auteur qui est très avantageux en termes de cotisation sociale. Vous payez 16% de votre bénéfice augmenté de 15%. Voilà. Déjà, on rentre dans les calculs de cotisation sociale. Il y a toujours des trucs à la condition. C'est un peu infernal. Mais vous êtes... globalement, après, ça marche comme une profession libérale. Donc avec soit vous êtes en dessous des 77 700 euros et vous pouvez être déclarer les choses en micro-BNC, ou sinon vous êtes sur une déclaration classique de profession libérale. Il y a des petites subtilités à connaître là-dessus. Si vous pouvez accéder à ce statut-là, c'est un statut qui est très avantageux, notamment sur les cotisations sociales, mais par exemple aussi, vous allez avoir un droit à la formation qui est assez important, qui est, entre 5 ou 7 000 euros par an pour vous former. Donc c'est assez intéressant comme statut. Pour faire une petite synthèse de ces différents éléments, je dirais, j'ai mis ça un peu sur une répartition. En termes de protection sociale, de protection tout court, la SASU et la CAE sont sans doute les plus avantageux. La CAE, c'est clairement l'aspect le plus collectif. Et puis, à l'opposé, moins protecteur et peut-être plus individuel, les différents statuts d'artiste-auteur, entreprise individuelle et auto-entrepreneur.
Ce qui ne vous empêche pas aussi, par exemple, peut-être de créer votre propre coopérative ou d'aller rejoindre un collectif ou de créer un collectif autour de votre métier pour pouvoir, pour pouvoir travailler à plusieurs ou, par exemple, répondre à des appels d'offres, des choses comme ça. Ça peut être intéressant de rejoindre ou créer un collectif autour de vos métiers, même si vous êtes en entreprise individuelle. Je vais avancer et maintenant on va parler du sujet, du gros sujet, les TJM. Voilà. Donc TJM, ça veut dire taux journalier moyen. Donc c'est à quel prix vous vendez. Le TJM, ça s'exprime toujours en euros hors taxes. Voilà. Il faut savoir que dans une entreprise, la partie TVA, ça rentre et ça sort, c'est assez transparent. Et donc on parle quasiment toujours de TJM en euros hors taxes. Vous pouvez avoir quelques cas où il faut faire attention, notamment si vous travaillez pour des services publics. Les services publics, eux, ils ne reversent pas de TVA et donc en fait, ils parlent en TTC. Voilà. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais cette conférence. C'est que j'ai entendu tout et n'importe quoi sur les TJM et que ça a une grosse, grosse tendance à m'énerver beaucoup, très fort. Donc, par exemple, j'ai entendu ce genre de truc. Voilà. Ouais, mais à 250 jours, tu fais 20 jours par mois, tu gagnes 5000 euros, tu gagnes plus que nous. Bon. Et ça, je ne l'ai pas entendu qu'une fois. Voilà, ou par exemple, un peu dans le même style, attends, en tant qu'auto-entrepreneur, avec 22% de cotisation sociale, tu gagnes mieux ta vie qu'un salarié. Donc déjà, c'est une très mauvaise idée de comparer freelance et salarié. Hein, c'est pas du tout la même chose, c'est un peu les torchons et les serviettes. Je vous laisse dire qui est torchon et serviette. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est deux activités bien différentes, avec des responsabilités différentes, des droits différents, plein de choses différentes. Donc, comparer le salariat et le freelance, c'est globalement une mauvaise idée. Oui, mais j'ai comparé sur la plateforme machin truc bidule machin. Le TJM est souvent de pas grand chose. Donc. Ça, c'est aussi une très mauvaise idée. Allez pas regarder les tarifs sur ces plateformes. Il faut bien comprendre que si vous voulez mettre, si vous mettez en freelance, c'est sans doute pour quitter un peu ces histoires de hiérarchie, c'est peut-être pour arrêter d'engraisser votre patron. Tout simplement, allez pas engraisser une plateforme qui vend des freelance comme des produits bêtes et méchants, on va dire. Hein. Tout simplement. Sur ces plateformes, vous vous retrouvez en concurrence avec d'autres personnes directes et la seule différence qui est faite entre les différents produits, c'est le nombre d'étoiles qu'on vous a donné ou que vous n'avez pas. Voilà. Donc, tout simplement. N'oubliez pas que vous êtes sur des secteurs, la tech, hein, c'est des secteurs en tension en termes d'emploi. Donc, en fait, c'est vous qui décidez. C'est pas... les gens en face, ils vont plutôt avoir du mal à recruter, que ce soit des freelance ou des salariés. Donc, c'est vous qui êtes maître de votre TJM. N'oubliez pas aussi, vous pouvez travailler pour McKinsey, par exemple. Voilà, le directeur associé chez McKinsey, il se fait payer 12 000 euros par jour. Voilà, le consultant moyen, 2500. Hein, donc... ça, vous pouvez vous décomplexer du TJM en vous rappelant ces petites choses. Toujours est-il, quand je vois tout ça, moi je suis un peu dans cette perspective là. Je vais essayer de vous redonner les bases et de vous partager comment on établit son TJM et pourquoi on établit ce TJM à ce prix-là. Quand vous voulez vous lancer en freelance, la première chose que vous devez faire, c'est vous demander tout simplement combien vous voulez gagner sur un an ou combien vous devez gagner sur un an. Voilà. Vous avez peut-être des contraintes familiales ou comme ça, un loyer à payer, des enfants à envoyer à l'école,
Voilà. Donc, toujours est-il, posez-vous la question de je peux vivre avec combien d'argent sur un an? Et c'est quoi le minimum qu'il me faut pour gagner ma vie? Enfin, pour être heureux et gagner ma vie. Une fois que vous avez fait, vous êtes posé cette question-là, donc vous savez combien vous voulez de revenus par an. Eh bien, c'est très simple. Voilà, je vous fais la version courte. Le TJM est égal au revenu multiplié par 1,6 divisé par 120. Voilà, c'est bon. Je peux m'arrêter là? Vous avez eu votre réponse? Allez, je vais vous expliquer un peu. Donc, je vais prendre un exemple. 120, c'est le jour, c'est le nombre de jours que vous allez facturer sur une année, généralement. Donc, si vous voulez un revenu de 60 000 euros par an, il faut que vous fassiez un chiffre d'affaires de 100 000 euros par an. Et ça vous donne donc un TJM de 833 euros. Voilà, si vous allez vendre 120 jours à 833 euros. Ça vous fera 100 000 euros de chiffre d'affaires et donc un revenu de 60 000. Ok ? Allez, je vous fais version longue pour expliquer comment on en arrive à cette petite formule. Alors déjà, il faut prendre en compte quelques petits paramètres. Voilà. Donc déjà, vous n'avez pas de congé payé. Ah, c'est ballot. Vous n'avez pas vraiment d'arrêt maladie. On va en parler un peu, mais quel que soit votre statut, c'est pas forcément très protecteur. Et donc, quand vous ne travaillez plus, il n'y a plus d'argent qui rentre, tout simplement. Ça s'est un peu amélioré ces dernières années, mais ce n'est pas encore la folie. Pensez que vous devez faire votre compta, vous devez maintenir votre matériel informatique, mettre à jour vos licences, résoudre les problèmes informatiques si votre ordinateur se plante, machin, crash, truc bidule. Là, vous ne pouvez pas appeler le service informatique et dire hey, « mon PC, il a cramé, donnez-moi un autre ». Non, ça ne marche pas. Pensez à faire vos sauvegardes aussi. Hein, personne ne les fera pour vous. Et puis, vous devez tout simplement passer du temps pour trouver du boulot. Voilà, il n'y a pas de commercial qui vous vende plus ou moins bien. Donc, il va falloir passer du temps pour trouver des missions. Et ça, il faut le faire tout le temps. Même si vous êtes en poste ou même si vous avez une mission longue en cours, eh ben, déjà, votre mission longue, elle peut s'arrêter du jour au lendemain, la plupart du temps. Hein, faut pas l'oublier. On en reparlera aussi un peu après. Et puis, la mission, elle va s'arrêter un jour. Et moins vous aurez bossé sur... sur ces aspects commerciaux, plus votre temps entre deux missions sera long. Moi, ce que je vous conseille, ou ce que je fais, c'est d'avoir plusieurs missions en parallèle. Voilà. Pas travailler pour un seul client, parce que si le client arrête de travailler avec vous, eh ben, vous allez, traverser une période de désert. Alors, vous pouvez la prévoir et tout, mais toujours est-il, il faut consacrer du temps aux aspects commerciaux. Même si vous n'aimez pas ça. Vous n'avez pas de comité d'entreprise pour vous payer des voyages pas chers à l'autre bout du monde avec vos collègues. Voilà. C'est quand même hyper dommage. Hein. Vous n'avez pas de collègues avec qui partir en vacances à l'autre bout du monde. Je vous vois hyper déçu. Une notion importante qu'il faut retenir... il y a une différence fondamentale entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours facturés. Voilà. Ça, c'est le point clé qu'il faut retenir. Il y a cette différence. Et donc, en fait, si on parle de nombre de jours facturés, ce que vous pouvez facturer dans une année, c'est à peu près 164 jours. Voilà. Maximum. Franchement, en 20 ans, j'ai dû facturer une ou deux fois 164 jours dans une année. Et ça veut dire que c'est des années où vous bossez H24. Mais vraiment beaucoup. Parce que tout simplement, là j'ai fait un petit calcul, mais vous avez 251 jours ouvrés, vous prenez un peu de vacances, vous faites de la maintenance informatique, de la comptabilité, vous vous occupez de vos enfants qui sont malades, machin, truc, et tout ça, ça vous fait des jours en moins. Ok ? Donc, dans la réalité vraie, un freelance, ça va facturer entre 120 et 150 jours par an. Voilà. C'est le maximum que vous allez faire.
Tout simplement. Ok. Donc, on va parler maintenant des cotisations sociales. Alors, je vais aller assez vite sur les cotisations sociales. Elles sont assez variables suivant le statut que vous avez choisi précédemment. Donc, si vous êtes en artiste-auteur, c'est sans doute le plus avantageux. Vous êtes à 16,2. Si vous êtes salarié d'une SASU ou salarié d'une CAE, il faut plutôt compter 40-45% de cotisations sociales. Mais ce n'est pas forcément sur la même base de calcul. Par exemple, en auto-entrepreneur, vos cotisations sociales sont calculées sur votre chiffre d'affaires, alors qu'en entreprise individuelle, vos cotisations sociales sont calculées sur vos bénéfices. D'accord ? Voilà, il y a des petites subtilités comme ça. Le plus simple pour calculer ça, parce que franchement, il y a des taux dans tous les sens avec des conditions et des machins. Il y a en fait l'URSSAF qui a fait des simulateurs. Voilà. Donc vous avez des simulateurs par statut. Et franchement, appuyez-vous dessus. C'est super intéressant. Enfin, c'est très bien fait. Voilà. Donc par exemple, là, c'est une capture d'écran du simulateur pour une entreprise individuelle. Vous dites, ben voilà, je veux faire un chiffre d'affaires de 100 000 euros. J'ai 12 000 euros de charges sur l'année. Le truc, il vous calcule les cotisations, là, 27 534. Et donc, ça vous donne votre rémunération nette. Voilà. Et après, il vous calcule même l'impôt sur le revenu si vous rentrez les données par rapport à votre situation familiale. Alors là, vous allez me dire, enfin, j'espère, pourquoi 12 000 euros de charges ? Qu'est-ce qu'il y a bien dans ces 12 000 euros de charges ? Ben, on va en parler. Alors, ben, je vous fais la version courte. Donc, effectivement, on a 12 000 euros de charges, 1 000 euros par mois. Voilà. OK ? Allez, je vous explique en détail la version longue. Dans les charges, il y a plein de choses. Déjà, il faut payer un minimum d'assurance. Donc, vous avez, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez prendre une assurance responsabilité professionnelle. Il y a certains clients qui vont vous demander et qui vont vérifier votre assurance responsabilité professionnelle. Notamment, si vous... Qui c'est qui me demande ça ? Les services publics, si vous travaillez pour un service public, ils vont vous demander votre assurance responsabilité pro. Et dans les écoles, souvent, ils vous demandent la responsabilité civile, la responsabilité oui, RC pro. Ça coûte, suivant votre statut, suivant l'assureur que vous trouvez, 250 à 500 euros par an. En plus de ça, vous allez prendre sans doute une mutuelle pour votre santé. Et encore une fois, ça va vous coûter voilà, entre 50 et 100 euros, voire peut-être un peu plus, suivant les garanties dont vous avez besoin. Et suivant votre âge, parce que plus vous êtes vieux, plus ça vous coûte cher. Voilà. Donc, attendez pas d'être vieux pour vous lancer en freelance et payer plein de mutuelles. Tout ce qui est informatique, voilà. Eh ben, il vous faut un ordi, un téléphone, peut-être une tablette, une imprimante, je ne sais pas quoi d'autre pour faire votre boulot. Ben, quand vous accumulez tout ça, ça vous fait une somme qui est relativement importante et que vous allez amortir sur plusieurs années. Voilà. Donc, il y en a facilement pour. Voilà. Là, j'ai mis 3600 euros à la louche, hein. Mais donc, si vous amortissez ça sur 3 ans, bah, ça fait 100 euros par mois de matériel informatique. Vous avez tous les logiciels. Donc, moi, je suis designer, donc je vous ai un peu mis la liste des trucs qu'on trouve en design. Mais pareil, vous avez souvent maintenant, on a des licences qui sont sous forme d'abonnement. Il y en a facile pour une centaine d'euros par mois. Internet et le téléphone aussi. Ça peut servir quand on fait de l'informatique, quand on travaille dans la tech. Je dis ça, hein, je dirais. Après, le bureau, voilà, que vous soyez au domicile ou dans un coworking, vous allez avoir des frais pour votre bureau.
ou tout simplement pour vous acheter une chaise confortable pour poser vos petites fesses et protéger votre dos pour les moult heures que vous allez passer devant votre écran. Je vais avancer un peu plus rapidement. Les déplacements, voilà, ça vous arrive d'aller. Voilà, moi, je vis aux Pays-Bas et je fais au moins une fois par mois un déplacement sur Paris. Ben, un aller-retour à Paris, c'est 250 euros. Et j'ai la chance d'être logé gratuitement sur Paris. Voilà. Mais vous venez à une conférence et pareil, vous allez avoir des frais. Donc en parlant de conférence, bah, c'est vous qui j'ai payé. Vous les choisissez et vous pouvez aller aux conférences où vous voulez sans demander l'autorisation à personne. La contrepartie, c'est qu'il faut les payer. Et puis il faut payer votre transport et votre hébergement pour aller à la conf. Voilà. L'autre solution, c'est vous présenter des sujets dans les confs, et comme ça vous êtes orateur et certaines confs vous défrayent, comme Mixit. Alors je vous le dis, je vais faire un petit bémol tout de suite. C'est pas intéressant financièrement parce que faire une conf, c'est minimum une semaine de boulot. Donc en fait, bah, vous faites le calcul rapidement, ça coûte moins cher de payer son entrée à la conf que de préparer une conf pour que le temps passé pour préparer une conférence. Et sinon, il y a tout ce qui est formation, livres et autres abonnements qui sont à prendre en compte. Et dernier point, tout ce qui est compta, bah, soit vous faites faire, soit vous faites, mais généralement, il y a un peu de frais bancaires, soit vous utilisez un logiciel, un truc comme ça, il y a encore des petits frais. En résumé, par rapport à ça, on va dire que vous allez avoir une part que vous pouvez facturer qui est de l'ordre de 60%. Moi, je l'ai mis là qui correspond aux charges, aux cotisations et aux revenus. Et puis, vous avez une part qui est non facturée, qui est du temps que vous utilisez à faire autre chose ou de charges, qui est de l'ordre de 40%. Voilà. C'est assez simple comme répartition. Je vais vous donner quelques exemples concrets en fonction des statuts. Donc par exemple, si vous avez un chiffre d'affaires de 72 000 euros, donc on imagine 72 000 euros, vous faites 120 jours à 600 euros, voilà. Et donc en auto-entrepreneur, vous allez avoir un revenu de l'ordre de 44 000 euros. Si vous êtes en freelance, ça sera un peu moins, plutôt 40 000. Et par exemple en CAE, vous allez plutôt avoir un revenu de l'ordre de 28 000. Voilà, parce que vous payez les cotisations salariales plus une petite part qui reste dans la CAE pour l'administratif, des choses comme ça, ou vous payez un peu plus tard aussi. Deuxième exemple, vous gagnez 120 000 euros. Donc ça, par exemple, vous facturez 150 jours à 800 euros ou 120 à 1000 euros. Voilà. Ou 10 jours à 12 000 euros si vous travaillez pour McKinsey. Donc déjà, vous ne pouvez plus être en auto-entrepreneur, voilà, ça c'est fait. Et en entreprise individuelle, ça va vous faire à peu près 75 000 euros de revenus. En SASU, vous serez aux alentours des 64 000, et puis en CAE, peut-être un peu moins, aux alentours des 60 000. Voilà. Sur les CAE, j'ai mis un 10% à peu près de frais pour la CAE. Mais c'est un peu arbitraire et ça change des CAE, donc il y a des choses à ajuster. Oulala, faut que je me dépêche, j'ai plein de trucs à vous dire encore. Je vais vous parler rapidement de mon CA sur 20 ans. Voilà, ça ressemble à ça, le CA d'un freelance sur 20 ans. Donc au début, j'ai très bien gagné ma vie par rapport à ce que j'aurais gagné en étant designer junior. Très clairement, j'ai fait des années à 120 000 euros de chiffre d'affaires et pas loin de 100 000 euros de bénéfices. Vous voyez aussi qu'il y a des effets de décalage entre les cotisations sociales et les bénéfices. Au début, quand j'ai commencé, c'était calculé sur l'année N-2. Enfin, vous payez pour l'année en cours en fonction de ce que vous avez gagné à l'année N-2. Ça, il faut le comprendre. Vous pouvez vous le répéter plusieurs fois. Mais ça veut dire que, par exemple, en 2003... j'ai payé, je m'en souviens encore, genre 20 000 euros au mois d'octobre pour récupérer l'année 2002 et le 2001 qui étaient mes années de début et sur lesquelles j'ai tout régularisé après. Mais vous voyez aussi un peu plus loin. Là, par exemple, en 2006, j'ai perdu un de mes gros clients
Donc j'ai eu un effondrement du chiffre d'affaires, mais je payais quand même des cotisations sociales en fonction de ce que j'avais gagné avant. Donc en fait, j'ai fait un bénéfice quasiment nul. Donc après, l'année d'après, bah, comme j'avais fait pas beaucoup de bénéfices, j'ai pas payé beaucoup de cotisations, et donc j'ai fait un bénéfice. Et hop, et ainsi de suite, ça fait le yo-yo. Vous pouvez rencontrer des situations de crise. Par exemple, en 2008, il y a une crise. Je ne l'ai pas senti tout de suite, parce que les projets de 2008, ils continuaient. Et j'ai commencé à le sentir en 2009. Et puis c'est plutôt fin 2009 où je n'ai pas eu de contrat. Ça s'est répercuté en 2010, où là, j'ai eu une baisse assez importante de mon chiffre d'affaires. Donc, il y a des événements comme ça extérieurs. Vous ne pouvez pas grand-chose, mais il faut mettre un peu de l'argent de côté pour... pour faire passer ce genre de truc. Dernier point important là-dessus, vous pouvez tomber malade. Voilà, ça m'est arrivé. J'ai eu un problème de genou chronique, rien d'hyper grave, mais simplement, bah, si vous allez chez le kiné deux fois par semaine, si vous allez chez le médecin régulièrement pour savoir ce qu'il a, votre genou, et que vous passez des examens, et que vous faites un peu d'errance médicale, et que vous avez des traitements, et ben tout ça, ça vous prend du temps. Ça vous prend du temps et ça vous prend de la charge mentale et vous en apercevez pas tout de suite. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que pendant que vous avez cette maladie chronique, ça vous empêche pas de travailler. Hein. Moi, c'était un problème de genou, je bosse sur un ordi, pas de souci. Simplement, vous apercevez au bout d'un certain temps que en fait, vous êtes plutôt à mi-temps sur votre travail que plutôt à plein temps. D'accord ? Donc il y a cet aspect maladie à prendre en compte, sachant que si c'est chronique et que vous n'avez pas vraiment d'arrêt maladie, c'est un peu pour votre pomme. Maintenant, depuis 2021, c'est un peu mieux couvert les arrêts maladie. Si vous êtes malade pour de bon et que vous avez un arrêt maladie, vous allez toucher quelque chose entre 22 € et 169 €, qui correspond à 1/730 de ce que vous avez gagné en moyenne sur les 3 dernières années. Voilà. Vous n'avez pas compris la formule ? Moi non plus. C'est tous les trucs à calculer, c'est comme ça. Il faut le dire 5 fois la formule. Mais en gros, c'est pas grand-chose. Je vais avancer et j'ai encore deux choses importantes à vous dire sur les TG. Le premier, mesdames, je m'adresse à vous, augmentez vos TGM de 200 €. Voilà. Vous serez toujours moins cher que vos concurrents masculins et toujours plus compétente. Je vous dis ça parce que j'ai bossé là pendant 3 ans pour Betagouv et j'ai participé à pas mal de recrutements, au moins une 50aine ou une 60aine. Et systématiquement, les femmes ont des TGM plus bas, mais vraiment plus bas que les mecs. Et elles sont plus compétentes. À chaque fois, c'est systématique. Cherchez pas, c'est systématique. Voilà. Donc, par contre, les mecs, ils vous pipotent un peu et ils vous donnent un TGM plutôt dans le haut de la fourchette. Voilà. C'est jamais le cas des femmes. Ça peut paraître caricatural, tout ce que vous voulez, mais c'est la réalité que j'ai rencontrée. Donc, mesdames, voilà, n'hésitez pas à augmenter vos TGM. Vous serez toujours plus compétentes et moins chères que les hommes. C'est un point où j'ai fait des recrutements où j'ai dit non, ton TGM ça va pas être 350 € là, ça va être 600. Voilà, c'est des trucs comme ça, tout simplement. Autre chose, justement, jamais moins de 400 €. Ok, si vous faites payer 400 € ou moins, vous êtes aussi mal payé qu'une professeure des écoles débutante. Sans les vacances, sans la sécurité de l'emploi. D'accord ? Et vous avez toujours des clients qui se comportent comme des gamins. Voilà. Un truc simple, hein. La considération qui est accordée à votre travail est directement corrélée à votre TGM. Plus vous faites payer cher, plus vous allez être écouté. Il n'y a pas de mystère. Hop. J'avance. On va passer à la troisième partie. Les clients. Parce que c'est bien d'avoir un TGM, des statuts, machin et tout. Hein ? Comment on devient freelance, en fait ? En trouvant un premier client. Hop, bisous. En fait, je pourrais arrêter cette conf à plein d'endroits et puis vous laisser là-dessus.
Allez, la version longue. Comment on trouve des clients ? Il y a moult méthodes marketing. La troisième vous étonnera. Non. Voilà. Ce que je vous conseille tout simplement, bah, regardez s'il vous convient. Et puis formez-vous aussi à ces aspects commerciaux. Ce n'est pas votre domaine peut-être initial de compétences, mais sincèrement, penchez-vous sur le sujet pour trouver s'il vous convient. De mon côté, moi j'ai fait une formation au CNAM en marketing et distribution. Justement quand j'ai eu un creux d'activité en 2007, là, 2006-2007. Et voilà, et je me suis aperçu de certaines choses. Donc par exemple, je suis totalement nul et incapable de faire du démarchage téléphonique. Il y en a qui arrivent, mais moi, je ne sais pas faire. Voilà, prendre le téléphone et dire « Allô, bonjour, je voudrais vous vendre un truc. Ben, » ça s'arrête là, parce qu'après, je ne sais pas quoi dire. voilà. Donc, intéressez-vous au sujet, trouvez ce qui vous convient. Et puis, voilà, formez-vous. Et en fait, c'est stratégique pour votre entreprise. Hein. C'est juste comme ça que vous allez trouver du boulot au fur et à mesure. Une autre solution aussi, c'est travailler son réseau professionnel. Voilà, ça c'est indispensable. C'est par là que l'émission arrive la plupart du temps. Donc, ça veut dire que y a un truc qui est très simple à faire pour travailler son réseau professionnel. Dès qu'il commence à être un peu étendu, c'est vous mettez en contact les bonnes personnes. Vous avez trop de boulot en ce moment, on vous en propose d'autres, et ben redirigez les missions qu'on vous donne vers d'autres personnes, d'autres freelances. C'est l'intérêt aussi de travailler en collectif. Attendez rien en retour, c'est pas grave. Peut-être que quand vous aurez plus de missions, bah, vous pourrez dire « Hey, j'ai plus de missions !» Et puis votre collectif ou votre cercle autour de vous, bah, ils vont faire la même chose, ils vont dire « Hey, machin, il n'a plus de boulot, hop, on va lui rediriger des missions vers lui. » Voilà, faites-le simplement, attendez rien en retour. Il y en a qui vont être super contents et qui vont vous offrir un resto ou une bière tout simplement, et ça sera cool d'aller discuter avec eux. Et puis il y en a qui vont rien faire en retour, et c'est pas grave, vous allez faire du bien à votre entourage et à la planète. Non, je suis pas là pour la planète, mais au moins pour votre entourage. Je vais parler un peu de mon cas. Donc moi je suis incapable de faire du démarchage, des trucs comme ça. Donc ma stratégie en termes de pour trouver des clients, c'est travailler ma notoriété. Donc j'ai commencé par écrire un blog. Ouais, c'était en 2009. Voilà, blog 2009. Voilà. Donc avec l'idée d'écrire et partager. Donc une fois que j'ai, alors en plus le blog c'est super intéressant parce que ça vous forme aussi, parce que quand il faut écrire un article, bah, généralement vous dites que vous n'allez pas raconter trop de conneries, il n'y avait pas ChatGPT pour faire des articles automatiques ou des, voilà, donc il fallait bosser un peu pour faire des articles, et donc ça permet aussi de se former. Donc une fois que vous êtes formé et que vous avez des trucs intéressants à raconter, vous pouvez aller proposer des sujets dans les conférences et être orateur. Puis une fois que vous avez fait un certain nombre de conférences en tant qu'orateur, vous dites « Oh, ben, je pourrais peut-être participer à l'organisation. Ça a l'air sympa, ils ont l'air de s'amuser à courir dans tous les sens pendant 2 jours. » Donc, vous devenez organisateur aussi de conférences. Autre aspect, je fais un peu de formation dans des écoles et auprès des entreprises. Je ne sais pas si ça participe beaucoup à ma notoriété, mais c'est aussi sympa d'aller partager ses connaissances avec des gens plus jeunes ou simplement dans les entreprises. Et ça vous oblige à travailler aussi ce que vous racontez, à mieux comprendre, à mieux expliquer ce que vous faites. Donc ça facilite aussi quand vous devez l'expliquer à un client. Et donc je m'implique aussi dans des associations, notamment en ce moment je suis chez Designer Ethic, qui organise des confs et qui travaille sur certains sujets qui me tiennent à cœur. Et j'ai fait le choix de ne pas passer par ce que j'appelle les marchés aux bestiaux. Il est beau, il est frais. Il est pas cher, mon freelance, voilà. Je ne donnerai pas de nom, mais j'y pense très fort. Donc ça, c'était pour trouver des clients. Maintenant, vous avez trouvé un client et vous allez commencer une relation avec lui. Donc s'il faut bien voir et bien noter, c'est que la relation entre le client et freelance est régie par le droit du commerce, d'accord ? Contrairement à quand vous êtes salarié, où c'est régi par le droit du travail. Ok ? C'est la grosse différence. Hein ? Voilà, vous ne devez pas être subordonné à votre client. Sinon, votre travail peut être requalifié en travail salarié
et votre client sera content parce qu'il va payer des charges sociales sur si vous avez déjà payé. Ça arrive pas souvent. Mais toujours est-il, votre relation est régie par le droit du commerce. Donc, c'est une relation qui est équitable. Vous êtes au même niveau, il n'y a pas de subordination. Hein. C'est ça qu'il faut retenir. Elle commence quand les deux parties sont d'accord. Il n'y a pas besoin de contrat, de trucs comme ça, de machin. Une relation commerciale quand, commence quand les deux personnes disent voilà, je vous propose de faire ça pour tel prix. Et si en face on vous dit oui, et ben voilà, la relation commerciale elle est commencée. Je vous conseille quand même de formaliser un peu tout ça sous la forme d'un contrat ou d'une proposition commerciale. Voilà. Et la relation, bah, elle finit quand vous êtes payé généralement. Voilà. Ok, donc c'est aussi sain comme relation. C'est une relation équilibrée avec un début et une fin. Le contrat que vous allez faire, il va servir quand ça se passe mal, tout simplement. Quand ça se passe bien, on sort jamais le contrat. Voilà. Et les entreprises sérieuses contractualisent sans problème et sont sérieuses sur l'administratif et vous payent un acompte. Voilà, il faut demander un acompte quand vous travaillez pour une entreprise. 30 à 50% d'acompte, ça peut être pas mal. Ou par exemple, le premier mois, si c'est une mission longue, bah, vous faites un premier lot qui correspond au premier mois et vous faites payer le premier mois avant de commencer à travailler. Deuxième aspect, avant d'établir le contrat d'ailleurs, la négociation. J'aurais dû le mettre avant, tiens. Alors, quand vous négociez avec un futur client, parlez d'argent, tout simplement. Demandez-lui son budget. Voilà, quand vous êtes en avant-vente, là, vous discutez avec votre futur client, ben, posez-lui la question du budget. Il a peut-être une idée ou un maximum. Voilà. S'il vous dit « Ah, je sais pas bah, », alors déjà, ça peut être un peu bizarre qu'il ne sache pas, ou sinon, il peut peut-être évaluer le nombre de jours qu'il estime ou des choses comme ça. Essayez de trouver d'autres indicateurs. Et vous, de votre côté, il faut que vous soyez capable de dire votre TJM, tout simplement. Donc, à un moment dans la discussion, on va vous demander « C'est quoi votre tarif journalier ?» Et là, vous dites « Ça y est, tant ». Donc c'est à vous de faire votre proposition commerciale et de donner votre prix. C'est pas le client qui donne le prix. Hein, c'est comme quand vous demandez à un artisan de venir faire des travaux chez vous. C'est pas vous qui dites hey, c'est 3000 balles pour me refaire ma cuisine, ma salle de bain et ma chambre. Non, c'est l'artisan qui vous dit c'est tant. Et là vous faites ah, c'est trop cher. mais non, c'est pas trop cher. Point important aussi, ce que beaucoup de monde est tenté de faire quand vous n'avez pas l'habitude et quand vous commencez à travailler en freelance, c'est d'ouvrir la négociation. Alors mon tarif c'est 700 euros si vous voulez hein. Enfin, si ça vous convient mais non, c'est 700 euros voilà, 700 voilà. Il n'y a pas à discuter entre guillemets voilà. Hein, affirmez votre TJM et voilà, ne pensez pas à ouvrir la négociation. Ce n'est pas un gros mot, hein, TGM. Hein, on va juste parler d'argent. Et si vous acceptez de négocier, bah, c'est donnant-donnant. Ce n'est pas je vais vous baisser de vous-même votre TGM. Non, c'est voilà, on fera moins cher, mais on fera moins de choses, par exemple. Ou les délais seront plus longs, ou je ne sais pas trop quoi. Voilà. Donc, en fait... Tout ça pour vous dire que le freelance, il a un super pouvoir, c'est celui de dire non. Sur la négociation, on va vous faire quelques coups très simples. Ah, j'ai quelqu'un d'aussi compétent, deux fois moins cher. Tout simplement, bah, qu'est-ce que tu fous là à me faire chier encore, à discuter avec moi, bah, bosser avec lui, quoi. Allez, bonne journée. Si tu fais un prix, on pourra travailler longtemps ensemble. Et t'exploiter comme un esclave. Et ben, on en reparlera au deuxième contrat. Je vous ferai un prix sur le deuxième. Voilà, bonne journée. Mon budget est de temps. Comment on peut faire? Ça, c'est une vraie négo. Et là, vous pouvez commencer à discuter avec votre client en disant bah, ok, t'as que tel tarif. Et ben, on va diminuer le périmètre, on va faire moins d'itérations, on va faire moins de trucs comme ça, ou t'as tel tarif, ok, c'est super confortable, on va pouvoir faire ça, et puis je te propose ça, et en option on fait ça, et machin.
Voilà. Là-dessus, surcontractualiser, il faut faire une proposition voilà, tout simplement commerciale que vous ferez signer avant de commencer. Vous demandez un acompte de 30 à 50% et vous ne commencez pas à travailler tant que vous n'avez pas l'acompte. Voilà. Et vous pouvez joindre des TGV. Ce qui est intéressant dans les TGV, c'est de mettre le tribunal de commerce compétent en cas de souci. Parce que par exemple, si vous bossez au Pays Basque et que vous allez commencer à vous fighter avec un client qui est sur Paris, il faut mieux que ça se passe au tribunal de commerce de Bayonne. Hein, ça vous évitera de payer le train pour aller au jugement. Voilà. Voilà. Et tout simplement sur la facturation, facturez peu, facturez souvent. Ça vous évitera des mauvaises surprises ou un client qui se décide de ne pas payer pour une raison X ou Y, tout simplement parce qu'il fait faillite. Bah, si vous avez déjà payé 80% de votre presta, ok, c'est cool. Et on va arriver à la fin de cette présentation. J'avais demandé aussi, est-ce que vous envisagez de redevenir salarié? Et les réponses, c'est globalement assez unanime. Je crois pas du tout. Voilà. Ou sinon, il y en a qui envisagent de revenir salarié pour des raisons peut-être de vie ou de, comme ça. Mais pas à n'importe quelle condition et pas dans des environnements toxiques. Hop. Et maintenant, je vous fais la synthèse de ma conf en une slide afin de que vous puissiez la prendre en photo. Si vous voulez plus d'infos, notamment sur le calcul des TJM, sur des choses comme ça, vous pouvez aller sur mon blog. Donc c'est blognote.irgo.fr. Voilà, merci à vous.